Allez, coucou, les polarités féminines. Alors, qu'est-ce que vous avez à transmettre comme message à votre autre? Alors, on dit ici que vous avez bien compris. Pardon, je baisse un peu. Vous avez bien compris que vous êtes en union sacrée. D'accord? Ici, on vous le confirme. Alors, c'est drôle hein, parce que c'est exactement la même carte que j'ai sortie pour les polarités masculines. Pour leur dire que justement vous aviez compris, vous êtes en train de transmuter, hein? Vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de transmuter votre ego, d'accord? Vous avez compris ici que l'ego n'a pas sa place dans le lien, d'accord? Vous avez envie de retrouver votre autre par rapport à des relations charnelles. Vous avez envie de retrouver votre autre par rapport à des relations sexuelles, d'accord? Vous avez envie de ressentir votre autre. Là, vous n'en êtes plus. On vous dit d'arrêter l'ego parce que... Alors, on vous dit d'arrêter l'ego parce que tout simplement, en fait, il n'a pas sa place, d'accord? Il n'a pas sa place ici. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation d'union sacrée. Et l'ego... Il est intéressant, bien sûr qu'il est intéressant, mais pas toujours et pas partout. D'accord? Bah, décidément, j'ai un souci avec, avec la musique, hein, c'est pas grave, vous n'aurez pas de musique, ou en tout cas pas une super musique, mais ça, c'est pas grave. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous vous sentez décentré, ça vous a fait un peu flipper quand même, hein, cette situation, cette compréhension-là, ça vous a fait un peu flipper, les amis. Ah, on a quand même ici des polarités féminines qui ont envie d'aller retrouver vraiment plus que juste sexuellement ou sur de l'amour charnel ou autre, appelez ça comme vous voulez, sur de la fusion. Pourquoi? Parce que vous avez compris que de toute manière, lorsque vous ferez l'amour avec cette personne, c'est comme si... je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si vous ne formiez qu'un, d'accord? On vous dit d'agir. Hein? On vous dit d'agir. On vous dit d'agir, de ne pas oublier. Alors, vous la voyez ou le voyez pendant vos rêves, ok? La nuit, vous avez peut-être besoin d'aide encore pour qu'on vous aide. Un besoin d'aide extérieure, on me dit, d'accord? Et regardez,